Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo en compagnie de... Aujourd'hui, vidéo ultra spéciale parce que nous sommes avec un mage. Et je ne parle pas de Gandalf, ni de Dumbledore, ni du magicien d'Oz, ni de Magikarp. Tu rends le bien. Mais bien de Julien, le magicien. Du coup, notre ami Julien, ici présent, va avoir un très gros spectacle mercredi. Il est venu ici pour s'entraîner avec nous. Il nous a déjà fait quelques petits tours. C'était incroyable. C'est vrai. Ouais. C'était même, si je peux me permettre, magique. Comme je le disais, Julien ici présent va faire des tours de magie. Et le but du jeu, parce que quand c'est magique, eh ben c'est impressionnant. L'objectif, c'est de ne pas réagir aux tours de magie. Ça va me perturber. Ça va le perturber et il va devoir se dépasser. Mais avant de commencer, on va faire un petit tour. Et chacun doit dire un sort qu'il a appris dans n'importe quel film, série, manga, n'importe quoi. Je commence. Oh petit ars. C'est bon. Abracadabra. Mon étoile de Killary. Prononce le sort, prononce. Lorsque je t'ai vu pour la première Finité incantatem. Dans ma chaise, qu'est-ce qu'ils disent déjà? Coup de pectoraux. Shorty. Y'a pas filmé de près comme ça? Qui sait quand je dis shorty, mais ça existe pas. Oh, j'ai dit, t'accentues bien sur le shorty. Ok, je vais le faire. Wingardium, les vieux, ça. Wingardium. C'est Vium. J'ai vu le film Mali, moi. Il est là. Lumos. Ça, je me rends d'arabe. Et specta de patronas. Julien, est-ce que tu es prêt? Bien sûr, il faut. Eh bien, Wingardium, comme on dit. Leviosa. Leviosa. C'est parti. J'invoque David. Ok, en gros, avant de commencer la magie, j'ai fait un truc. J'ai appris les 10 000 premières décimales de pi. Ok. J'ai un peu de mal après la page 150, donc je vais juste te demander de pas aller à la page 150. Donc tiens, vas-y, prends le livre et tu le prends à n'importe quelle page. Et tu me dis le numéro de la page. Putain, il cherche bien. 77. 77. Ok. 77. Ok, je crois l'avoir. Je l'ai. Ok, ça commence par un 1, c'est ça? Oui. Ok, 3, 8. Oui. 5. Ouais. 3, 1, 4, 5, 0. Ouais, 5, 2, 1, 8, 9, 4, 9, 1, 2. Tu vois, du coup, j'ai appris les 10 000 décimales de pi. Et après, je me suis dit, vas-y, il y a encore le confinement. Je me suis dit, vas-y, je vais aller plus loin. Et du coup, des fois, je demande à des personnes, ouais, t'es né quand? Mais d'accord, c'est la première fois que je te vois. Oui. Ok, t'es né quand? Le 17 mars 1995. 17 mars? Ok, déjà je vais chercher s'il y a ta date de naissance dans les 10 000 premières décimales. Et si je la trouve, je vais essayer de te dire où c'est, ok? 17 mars! Je cherche. Ouais, déjà elle y est. Je dirais page 160. Oh, ligne 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas de réaction. C'est trop frustrant. Bravo, merci à toi. Je suis perturbé là. C'est quand même sacrément étonnant tout ça. Étonnant. J'invoque Loïc. Cadenas, je vais juste mettre un petit code dessus. Mais c'est privé parce que sinon vous allez vous spoil la fin du tour en fait. Est-ce que je peux t'emprunter une bague s'il te plaît? Fais attention. T'y tiens? Ouais. Non, franchement. Bon bah c'est un peu. Ouais, on va faire un jeu, ok? Bah tiens, déjà je te rends le cadenas. Tu peux changer. Oui. D'abord, je vais te demander, vas-y, dis-moi des chiffres. Enfin, dis-moi des nombres à 4 chiffres. 13. 4 chiffres. C'est quoi? Ah, 4 chiffres, pardon. Vas-y, 2022. Ok, vas-y, essaye 2022. Non, ça va pas marcher du premier coup, ce serait trop simple. Je vais pas boire la bouteille. Mais c'est quoi là en fait? Wesh! Ouais, mais c'est quoi? Regarde, il fait! Mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il a perdu! J'aime pas. Il a perdu! Mais non, j'essaie d'attirer l'attention. Non, de timer pour qu'il regarde l'écran. Il est pas mauvais. Attends, t'as perdu. T'as grave perdu. Ça faisait pas partie du tour. Si, ça a perdu. Non, il a perdu. C'est lui qui décide. Non, il a pas perdu. Non, ça faisait pas partie du tour. Ouais! Il a une belle robe et tout, je pense pas mal. Mais une belle robe, moi, non? Vous vous goûterez après, vous inquiétez pas. C'est m'oublier avec le tableau, là. Wesh. Ok. J'ai rien fait les gars. C'est bon. Non mais j'ai rien fait. On revient là-dessus. Ok, tu m'as dit 2022. Vas-y, essaye un autre chiffre. 1994. Essaye 1994, ta date de naissance, enfin ton année de naissance je suppose. Ouais. Vas-y, étire pour voir si ça marche. Non. Vas-y, on passe à autre chose. Ouais. Vas-y. Ok. Désigne-moi une personne là dans l'assemblée. L'assemblée carrément, t'as vu?
Tatiana. Ouais. Okay, Tatiana, est-ce que tu peux me dire l'année de naissance de ta maman? Elle va avoir 56, donc elle a 55 ans. Donc elle est en 1900. Je sais pas. Attends, c'est en 2021 70. Moins 56, 55. 55. 1966. Essaye 1966. Normalement, ça marche pas. Maintenant, est-ce que tu peux me désigner une deuxième personne, s'il te plaît? Soleil. Encore une. Soleil. Elle est née quand ta maman? En 1968. 1968. Ça va pas marcher non plus. Essaye. T'as plus de 9 ans. Ok. Mais là, tu m'as désigné deux personnes. On va juste faire. Tu m'as dit 1966 du coup. Ouais. Et 1968. Ouais. On va faire 1966 plus 1968. C'est ça? 1968. Oh non. T'aurais pu me désigner n'importe qui, on est d'accord. Mais là, la date de naissance des deux mamans, ça fait 3934. Est-ce que tu peux essayer 3934, s'il te plaît? On va réagir. Mais moi, je stresse. Je crois que ouais, c'est bon, je crois que j'ai mis ça. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est parce que... C'est pas... Moi, je serais inquiet parce qu'il connaît la date de naissance de ta mère. Et hey, moi, écoutez les gars, arrête. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la lampe qui s'allumait. T'as la lampe, c'est pour rien. Et les gars, s'allumait ta lampe. Je... Au nom de Dieu, s'allumait. Bravo. Bravo à toi. Non, mais qu'est-ce que vient quand même? Du coup, je fais, c'est mon tour. Sinon, j'appelle. De toute façon, il me faut deux personnes pour celui-là. Vas-y, moi je veux. Avant de commencer quoi que ce soit, je vais vous expliquer quelque chose. En fait, il faut savoir que quand vous mélangez un jeu de cartes, l'ordre que vous obtenez à la fin, c'est probablement la première fois depuis l'histoire de l'humanité que vous avez cet ordre en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait, par exemple, si tu mélanges un jeu de cartes, t'as une chance sur 52 pour que l'as de pique soit en première position, une chance sur 52 pour qu'il soit en deuxième, et ainsi de suite. Donc quand tu mélanges un jeu de cartes, c'est comme si tu faisais 1 x 2 x 3 x 4, ainsi de suite, jusqu'à x 54. Et la ça donne. La suite de Finopo. Ok, d'accord. Et en fait, ça donne un chiffre, mais imprononçable avec 57. 0 derrière, donc en gros quand tu fais un mélange c'est la première fois qu'il est fait dans l'histoire de l'humanité. Mais nous, les magiciens, on fait des analyses justement pour voir comment vous mélangez. Et là on a fait une expérience, alors j'ai juste retiré les jokers. Hop là, il y en a un premier. Menteur, tu fais autre chose. Ouais, non, je retire juste les jokers. Mino, je vais commencer avec toi. Je vais te demander est-ce que tu peux couper où tu veux. N'importe où. Je t'assure, je suis pour rien les gars. Ouais, coupe où tu veux. Vas-y, à partir de maintenant, vraiment les éliminations, vas-y. Ok, hop. Sauf moi. On va retourner le paquet que t'as coupé, d'accord. Et genre, hop, je vais juste faire comme ça. J'ai juste demandé est-ce que tu peux assembler les deux. Moi je fais rien, hein, on est d'accord. Voilà, tu assembles. Hop, parfait. À ton tour, Shedly. Bah du coup ce paquet là, tu coupes où tu veux. Voilà, hop. Je retourne. Hop, et tu m'assembles les deux. On mélange les cartes dans tous les sens en fait. On est d'accord, je fais rien. Comme ça c'est bien là. Ouais, vas-y, voilà, c'est parfait. On va le refaire encore deux fois et si vous voulez on peut le faire autant de fois que vous voulez, mais on va le faire au moins deux fois pour que ça soit bien mélangé. Bah ce paquet là du coup. Tu peux pas couper l'autre. Si tu veux, tu peux couper l'autre. Allez, c'est quoi, tu peux couper l'autre si tu veux. Ça savait que t'allais dire ça. Ça se trouve, je t'influence. C'est un piège mental. Tu sais que c'est l'épisode de Malcolm. Vas-y. Je t'en ai apporté une. Merci. Hé, attends, on échange. Je suis sûr que t'as secoué la mienne. Tu savais que je le ferais. Comme tu savais que je saurais que tu le savais. Hop. Hop. Et tu assembles les deux. Ok. Coupe où tu veux, on va le faire une dernière fois. Hop. On retourne. La fin est incroyable, vous allez voir. On va juste faire une dernière chose, vous me désignez un des deux paquets, on va le retourner, on va le mélanger avec l'autre. On veut retourner celui-là, c'est bon. Celui-là, t'es sûr? Vas-y. Tu veux pas retourner celui-là? Mino, tu valides. Tu peux retourner celui-là? Vas-y, vas-y, c'est bon. Celui-là? Ouais, ouais, tu veux pas retourner celui-là du coup? Non, c'est bon. Ça se trouve, je t'influence, hein. Je sais, mais celui-là, c'est bon. D'accord, celui-là, ouais. Vas-y. Hop, on le retourne. Et c'est un influenceur. Hop, et je vous laisse les assembler. Mais d'accord que là, on a des cartes dans tous les sens. Oui. D'accord. Donc là, attendez. À chaque fois, t'as coupé où tu voulais, t'as retourné, t'as mélangé. T'as coupé où tu. J'ai rien fait, on est d'accord. Et là, j'ai fait ma petite prédiction, d'accord? Oh, non. On va vérifier. La première prédiction, elle dit 21 cartes seront face en l'air. Ok. Je suis fatigué. On va vérifier ensemble. 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais on va essayer d'aller plus loin, on va essayer d'aller plus loin. J'ai tout mal, hein. 8 seront rouges. 1, 2, 3. Il y a déjà quelqu'un qui a compté. On est à 4. 4, ouais. 5, 6, 7, 7, 8. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça me fout le cœur. On va juste regarder la suivante. Elles seront toutes de cœur. On va vérifier, on va vérifier. Vous pouvez parler, hein, vous pouvez. Oui, c'est il le savait. Non, il a pas seum. Non, il va tourner. Attendez, feuille, qu'est-ce qu'il se attendez. Passe. Non, mais vous êtes trop fort. Effectivement, on a toujours une marge d'erreur, les magiciens. Donc effectivement, là, hop, il y a la petite feuille blanche pour cacher. Sauf une. Sauf le vache, calme. J'en voulais pas. Bravo!
c'est toi qui viens. T'es pas invoqué, mais bonjour. C'est vrai qu'il t'a pas invoqué, rassure-toi. Ouais. Ouais. T'as pas invoqué. C'est toi, Jeff. T'as pas invoqué. Pour ceux qui ont vu la vidéo, vous voulez que je vous parle de Saint-Jacques ou pas? Non, c'est bon. Pas moins de devant, devant, derrière. Il va se mettre à voler le magicien. Il va se torcier. Tu sais, on va comme Buster Strong avec sa cape. Imagine, il fait ça. Et Côte Sarah là. Là, je vous assure, j'y suis rien, les gars. T'as perdu. Je vous jure. Non, mais là, c'est pas un tour. C'est pas un tour. C'est pas un tour. Rien, les gars. Je vous jure. Eh, mettez dans les commentaires. Shelby l'a perdu. C'était pas. Mais dis-moi que t'as vu ça. Si on dit pas moins devant, devant, derrière. Est-ce que ça allume? C'est ça. Blague à part, tu l'as entendu aussi? Oh les bâtards. Tu vas apprendre comme ça. Est-ce que tu peux couper où tu veux, s'il te plaît? C'est quoi? Juste ça. Ok, on va retourner là où t'as coupé. Est-ce que tu peux me désigner une autre personne? Moi. Ok, Nono, vas-y. Et je vais te demander pareil de couper où tu veux, mais juste un peu plus loin que lui. Ça va pas être compliqué. Après, tu retournes. Hop, non, on va retourner. Ok, comme ça. Donc là, vous avez chacun coupé à un endroit. On est d'accord. Ouais. Je pouvais pas savoir où vous alliez couper. On va juste prendre la carte. Hop, c'est celle-là. Vous la regardez, je la regarde pas. Vous la montrez à la caméra. Et tu la remets dans le jeu où tu veux. Ah, on connaît. Et tu la remets dans le jeu où tu veux. Bon, tu vois. Eh, je vais vous dire un truc de dingue. Là, votre carte, elle est ici, on est d'accord. Et pourtant, depuis le début, elle est en dehors du jeu de cartes. Hein? En fait, elle est juste là parce qu'en fait. Ouais, c'est éclaté comme blague. Vraiment, j'ai un truc parce que le Joker, c'est toutes les cartes. Ouais, mais je voulais faire une expérience avec le Joker, justement. T'en vas le brûler. T'inquiète pas, il y a de l'eau au cas où. Hein. Voilà, là, il crame bien. Non, ça brûle bien, ça brûle bien. Tu sais que c'est Natsu dans Fairy Tail. Il faut juste un peu de cendre de la carte. C'est quoi en fait là? C'est vaudou? C'est ça qui l'a bu tout à l'heure. Voilà, là, j'ai un peu de cendre. Vous vous souvenez bien de votre carte, hein? Oui, oui. Je vais vous poser une première question. Déjà, regardez, on va faire un truc. Non, si je fais ça, comme ça. Je suis fatigué, là. C'est quoi? Ça entoure quelque chose. Est-ce que déjà, votre carte, c'était du pic? C'est du pic ou pas? Ouais. Ouais? Maintenant, faut deviner quoi? Est-ce que c'était le 4 de pic? C'était ça ou pas? C'était ça? Oui. Oui. Là, là, je commence à en avoir mal. Je commence à en avoir marre de me faire procéder là. Bah j'invoque Soleil, allez. Le gâteau pantalon, tu es une sixième, frère. On arrête le harcèlement, vas-y. En fait, je vais te demander de prendre autant de cartes que tu veux. L'idéal c'est entre 5 et 15 pour pas que ce soit trop long. Mais tu peux en prendre autant que tu veux en soi, ok? Moi je me retourne, je dois pas savoir combien t'en as pris, ok? Tu me dis quand c'est bon et les cartes tu les caches dans ta poche. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Hop là. Maintenant, en fonction du nombre de cartes que t'as pris, je vais te demander de mémoriser une carte. Par exemple, t'as pris une carte, tu mémorises la première carte. T'as pris deux cartes, tu mémorises la deuxième. Et tu me dis pas stop, sinon c'est trop simple. Ouais, ouais, bien sûr. Okay. Donc ça, c'est la carte 1, 2, 3, 15, 16. C'est bon, tu l'as? Ok, hop. Je te laisse remettre les cartes par-dessus. C'est bon? Je vais te montrer les cartes une par une. Et quand tu vois ta carte, tu penses stop dans ta tête. Tu dis pas stop. Ça m'est déjà arrivé, quelqu'un dit stop. Mais non, tu penses stop fort dans ta tête, ok? C'est parti. Non, je pense pas que ce soit là. Je pense toujours pas. T'as pensé stop? C'est ça? T'as pensé stop? Oui, c'est ça. Tu réagis vachement là quand même. Waouh, c'est fou. Non, non, c'est quoi là? Marché en plus? Mais ça suffit là. C'est quoi? C'est un verre de colorant, c'est quoi? Je vais demander à Blacko de rester ici. Et je vais demander à Tatiana de venir. On peut dire que j'ai une idée? Oh! On est d'accord, vous êtes en? Oui. Voilà. Ouais, oh oui, ah, c'est oui. Oui, je le veux. Du coup, on va faire une expérience, on va voir si vous êtes connectés tous les deux. Tatiana, je te demandais, tu veux le jeu bleu ou le jeu rouge? Le bleu. Le bleu. Et du coup, bah Blacko, t'auras le rouge. Bah, oui, d'accord. Tatiana, je vais te donner le jeu bleu en main, mais tu le tiens bien parce que ça glisse. Ok, hop, tiens, tu les tiens bien. Okay. Pareil pour toi, Blacko, je vais te donner les cartes rouges, donc tu les tiens bien parce que sinon tu vas te spoiler la fin. Pourquoi? Je vais juste vous demander de distribuer des cartes une par une sur la table et vous arrêtez quand vous voulez. Et on les retourne comme ça? Non, vous les laissez face cachée, très important. Okay. Donc vas-y, tu distribues les cartes une par une sur le tapis. Hop là. Et vous arrêtez quand vous voulez. Et tu t'arrêtes ici ou tu veux continuer? Ici? Est-ce que vous voulez un peu plus, un peu moins ou vraiment on s'arrête là? Vraiment plus. Bah vas-y, distribue alors. Non, moi c'est bon. Blacko, je vais commencer avec toi. Est-ce que tu veux cette carte là ou celle là? La première. La première? Ok, hop, je la pose là. Et toi, tu veux cette carte là ou celle juste en dessous? En dessous. Ok. T'es sûr? Oui. Ok, hop, je la pose là. Et là, je la pose là. Je prends ton jeu. Je l'en mets par dessus. Et là, hop.
change ton jeu. Et là c'est la passe magique. Vous avez rien vu mais là je fais ma passe magique. Rapidement, on fait un récapitulatif de ce qui vient de se passer. T'as pris le jeu de cartes, t'as distribué les cartes une par une, tu t'es arrêté quand tu voulais, je t'ai pas influencé ni rien. Pareil, Blacko, on est d'accord. Jusque là tout va bien. Oui. Bien sûr. On va juste étaler les cartes et on va chercher la carte bleue ici. La carte bleue. Elle est où? Elle est là. On est d'accord, il y en a bien qu'une seule. Ok. Je la pose juste ici. On est d'accord. Oui. Et là, on est d'accord que. Pareil, il y a bien qu'une seule carte rouge. Elle est là. Ouais, je sais, mais je vais. Ah, ok, bien. Ok. Mais d'accord. Vous auriez pu vous arrêter où vous voulez. Ce serait incroyable que vous soyez arrêté sur la même carte quand même. Et pourtant, vous avez réussi. Oh, c'est pas mal. Attends. C'est pas mal, c'est pas mal. À votre avis, qu'est-ce qui se serait passé si vous étiez arrêté sur une autre carte? Vous avez jamais vu les cartes là. Donc, à votre avis, ça serait passé quoi? Bah. Ouais. Ça se trouve, c'est que des valets piques. Ouais, bah oui. Ah ouais? Bah ouais. Peut-être qu'il y a rien? Non, bah non, tu vois qu'il y a rien! On est d'accord que vous êtes arrêté sur n'importe quelle carte. Oh non, non, ok. J'ai vu. Ma mère, toutes les autres cartes. Ah! Ouais! Ah, le. Ouais! J'ai vu! La vie de ma mère, j'ai perdu, je m'en bats les couilles, frère! Ouais! Putain. What? C'est quelle sorcellerie là en fait? Saint-Jacques. Non, ça a pas marché toi. Ça a pas marché toi. Moi, c'est que moi parce que je suis Spider-Man. Ok, mais toi. Idée. Si ça s'allume, il y a moi, puis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a Tobey Maguire en divertie ou Tom Holland? Si tu t'allumes pas, il y a. Oh. Est-ce que les 7 Deadly Cheese, on va atteindre les 4 millions l'année prochaine? Merde, t'es ouf toi. Tu peux pas. I am Blacko va dépasser les 7. C'est toi, frère, ouais. La vidéo ne s'arrête que si l'ampoule s'allume. Mais les gars, genre, ça se trouve, elle a jamais s'allumé, hein. C'est pas moi qui. Ah. Et là, la vidéo, elle est finie.